Ce que j'aime, c'est l'instant T, en fait. On ne revient pas dessus. C'est un voyage aussi bien intérieur qu'extérieur. Quand je suis fatiguée, par rapport à la maladie, par rapport au cancer, appuyer sur le déclencheur, en fait, ça stimule le regard, les yeux, le corps. Ça me crée du bien-être. Quand je rentre au contact de l'eau, il y a déjà un apaisement. Je me reconnecte avec moi, avec mes pensées. Ça m'arrive de fermer les yeux, ça m'arrive d'avoir une petite musique dans la tête et de me laisser porter. Quand je fais une performance auto avec mes amis artistes, je suis le fil conducteur, le petit lien entre l'artiste et, on va dire, le visiteur lambda qui vient voir une exposition. Et je m'amuse avec ça. C'est plus visuel si on fait un shooting photo que si on le raconte. C'est un partage que j'ai avec l'artiste. Pour moi, c'est mon évasion. Je ne vois pas passer le temps. Tous les soucis sont oubliés. Je pense que si je n'avais pas eu la photo, je ne sais pas si j'aurais réagi de la même façon avec le cancer. Ce voyage me procure une sérénité, un bien-être. Je suis très apaisée, en fait.